Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo swatch and make-up et oui, encore de cette palette. Donc c'est la Blueberry Muffin de chez BH Cosmetics. Je l'ai reçue, je pense, de la part d'Evelyse. Je suis désolée si je me trompe. Dans notre dernier swap, je l'avais mise en wishlist et qu'est-ce que je l'aime! Franchement, à nouveau, c'est pas vraiment les couleurs que j'utilise. Bon, il y a du mauve, mais c'est quand même pas mal de bleu. Et puis, c'est beaucoup des tons froids, mais ça, c'est ce que j'aime de plus en plus. Elle est assez foncée, mais j'aime trop. J'adore le maquillage que j'ai fait. Je trouve ça trop, trop beau. Je voulais vraiment utiliser ce fard-ci parce que je le trouve magnifique. C'est un peu turquoise, bleu pétrole, trop beau. Et il y a moyen de faire des make-up plus clairs. J'avais hésité aussi avec ce fard-ci qui est très joli ou celui-ci. Franchement, les lumineux, ils sont canon. Donc voilà, t'as vu la palette, il y a 16 fards à paupières dedans et un poids de, attends je cherche, je ne vois pas, 16 grammes, donc voilà, 1 gramme le fard. La palette est trop belle et franchement je l'ai déjà dit, à chaque fois je t'ai présenté des palettes BH, mais ça a été vraiment une très belle découverte pour moi. C'est un peu une de mes marques préférées en fard à paupières. Mais j'aime vraiment beaucoup. Merci de me l'avoir offerte parce que j'adore. J'en ai racheté deux à Evelyse, la Paris et la Suisse. Donc je pense que je te les présenterai aussi plus tard. Mais vraiment, BH Cosmetics, j'adore cette marque. Donc voilà les fards, il y a un miroir à chaque fois. Alors elle est décorée avec des muffins aux myrtilles, puisque c'est le thème de la palette. Et il y a vraiment, comme je l'ai dit, de quoi faire de tout, du plus foncé, du lumineux, du plus sophistiqué, du plus basique, voilà, il y a vraiment de tout. Les lumineux sont trop beaux, donc j'ai appliqué celui-ci et puis ce gris-ci en coin interne, je sais les appliquer au pinceau, donc ça c'est top aussi. Maintenant au doigt, on voit beaucoup plus les reflets, on sait mieux travailler la matière et mieux appliquer le fard, donc plus en aplat, et franchement c'est trop beau, j'aime trop. Voilà, je crois que t'as compris. J'ai fait comme un liner pardon, avec ce fard-ci. Donc c'est un noir mat et alors il y a plein de paillettes dedans, mauve et rose, c'est très joli. Maintenant on ne les voit pas. J'ai toujours difficile de travailler ces fards-là, ceux qui sont mat et pailletés. Je trouve que les paillettes ne se voient pas. Maintenant peut-être vraiment en aplat, peut-être avec le doigt aussi, ce sera à essayer. Mais voilà, très très content d'avoir cette palette dans ma collection et très content de l'avoir enfin testée. Donc ben voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre de plus à dire, donc sans plus attendre, je te laisse avec les swatchs. T'as vu les swatchs, je te laisse avec le make-up. Thank you.
Voilà, alors dans ma vidéo précédente, j'ai dit que c'était la dernière palette que je possédais du swap. Mais non, il y en a encore une que j'ai reçue de la part d'Amy, une de chez Morphe. Donc ce sera la prochaine. Et là, alors, je pense vraiment qu'on en aura terminé avec les palettes du swap. Donc d'Evelyse et d'Amy. Voilà, j'ai mis du temps. Je sais qu'Amy a testé aussi les dernières il n'y a pas si longtemps. Donc ça va. C'est vrai que quand on achète des nouveautés, on essaye toujours de sortir les nouveautés en premier. Parce que voilà, c'est ce qui pourrait te donner envie d'acheter ou pas la palette justement ou la collection. Donc voilà ce qui prend un peu de retard, c'est pas des nouveautés, c'est des nouveautés chez moi, mais les palettes sont toujours trouvables et voilà, je trouve ça toujours chouette de pouvoir te les présenter en vidéo. Et donc voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.